Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver encore une nouvelle fois. Et je tiens à remercier chaleureusement mes amis, mes collègues qui ont eu l'amabilité de me soutenir, de m'avoir bénéficié de leur temps, de leurs conseils et qui m'ont toujours été une aide précieuse. Encore une mention toute particulière d'admiration, d'un grand respect, que ce soit aux abonnés actuels ou aux abonnés futurs, qui ont fait toujours preuve de compréhension, d'écoute et conseil. Merci encore une fois. On va aborder la science. En ce qui concerne l'ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public. Elle fait partie des conditions et formes de passation des marchés de l'État. Donc, ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public. Ben, la séance publique est reprise. Le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire connaître le motif des éliminations. Et rend contre décharge aux concurrents écartés. Donc, il rend contre décharge aux concurrents écartés. Présentent leur dossier sans ouvrir les enveloppes contenant l'offre financière et l'offre technique, le cas échéant. Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus, portant la mention offre financière et donne lecture de la teneur des actes, des engagements. Il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant la mention offre technique. Les membres de la commission paragraphent les actes d'engagement ainsi que les bordereaux de prix, le délai estimatif et la décomposition des mentions. Plutôt des montants globaux, le cas échéant. Cette formalité accomplie, la séance publique pendant ce temps et prend fin, le public et les concurrents se retirent de la salle. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin et le public et les concurrents se retirent de la salle. Fin de citation. Merci de votre écoute, de votre attention. À bientôt. Au revoir.